Bonjour mes petits loulous, et nous voici sur un nouvel épisode d'Astronir. Donc on continue ce qu'on avait commencé la dernière fois, sauf que, ben voilà, j'ai perdu tout ce qui était camion et autres, donc j'étais obligé de me refaire un petit camion. Comme vous pouvez le voir ici, je me suis fait un simple camion pour aller explorer, essayer de trouver de nouvelles ressources. Et surtout des découvertes, hein, parce que voilà, au niveau du vaisseau, c'est pas top top celui qu'on a. Donc on va aller rechercher des objets dans cette aventure. On n'a pas de panneau solaire sur nous, donc on va prendre, on a de l'énergie là, comme vous pouvez le voir. Bizarrement ne se vide pas. Bon, on en reprendra un peu, hein, voilà, on va se recharger en énergie. Après tout, on a un puits là à côté, autant en profiter. Voilà, et là vous voyez, il apprend, donc celui-là on la vire, on n'en a plus besoin. Donc, une simple petite partie pour se balader, pour voir si vous suivez toujours et si ça vous intéresse toujours, hein, parce que voilà, moi si ça ne vous intéresse plus des vidéos sur Astronir, ou si vous voulez que j'aille beaucoup plus loin dans l'aventure, ben, ce sera à vous de me le dire, parce qu'une nouvelle fois, c'est vous qui décidez de l'avenir de cette chaîne. Hein. On va lui faire un panneau solaire pour le véhicule, ce sera un petit, c'est vrai, en même temps vaut mieux un petit que pas du tout. Au moins ça le recharge tout de même. On va essayer d'aller retrouver encore un objet à placer pour faire des recherches. Là-bas, il y en a. Et après on va retourner à la base. Pour l'instant c'est vraiment tout ce que je peux faire, c'est des recherches de ce type pour obtenir l'habitat pour aller justement dans l'espace. Voilà, on peut en reprendre encore un si on a encore. Oui, il y en a encore un. C'est pas trop au moment où j'aurai l'habitat, je vais pouvoir vraiment découvrir d'autres choses dans ce jeu. Je vais pouvoir partir à l'aventure et m'installer sur la Lune, par exemple. Voilà. Allez hop, on retourne à la base. On a trois recherches à effectuer. On va voir ce que les trois recherches vont nous donner. La vidéo ici ne va pas être très longue, hein, parce que ça va vraiment dépendre de est-ce que vous voulez que ça continue ou pas sur Astronir, où je joue tout seul dans mon coin et je vous montre beaucoup plus loin lorsque je suis installé sur d'autres planètes. Ça, c'est à vous de me dire ce que vous recherchez un petit peu aussi sur cette vidéo. Ici, on va obtenir une ressource, hein, comme d'habitude. Ça, c'est le problème. Voilà, une ressource, je vous l'avais dit. On va rechercher pour obtenir encore une ressource, par exemple. Par exemple. Et peut-être que le dernier va me donner enfin une technologie, parce que... Ah, une technologie, magnifique. Quelle technologie? Le stockage, ok. Quel type de stockage? On va aller voir directement là-bas, parce qu'on avait déjà un stockage, panneau solaire, stockage. On avait déjà ce stockage-là. Hein. Donc
voilà, il nous a redonné le stockage. Il y a eu des mises à jour, hein. C'est un petit peu le souci. Et l'avantage de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de mises à jour. Et donc beaucoup de recherches à faire pour obtenir quelque chose. On est reparti, on va aller en rechercher encore. Il faut absolument que ce soit des décombres de vaisseaux. Hein. Il semblerait avoir eu un crash. Qu'à peu de chance, on ne l'avait pas encore pris. Parce qu'on a déjà exploré pas mal hein, sur sa planète. Je sais pas ce que vous en pensez. Désolé pour les lags. J'ai le PC qui travaille énormément derrière. Ça, on ne peut rien en faire. Ça, on ne peut rien en faire. Ça non plus. Là, on va pouvoir logiquement. Voilà, celui-là, on peut. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Autour d'un site de crash, vous pouvez trouver différentes choses. Hein. Vous voyez, là, j'ai du cuivre et de l'organique. Je vais lâcher l'énergie que j'ai là parce qu'elle ne me sert à rien. Alors vous pourrez utiliser aussi des éléments des vaisseaux. Hein. Savoir que si vous trouvez un vaisseau avec des gros panneaux solaires, vous allez pouvoir vous relier à ces panneaux solaires pour construire votre base. Voilà, ben, il n'y avait rien d'autre ici. Vous voyez par exemple ici. Si je viens me mettre là-dessus, je vais pouvoir utiliser les panneaux solaires ici pour récupérer de l'énergie. On va continuer par là. On va essayer de ne pas se paumer non plus. Ce serait dommage. Là, ça va être des ressources. Là, on a de la résine. Tant pis. C'est vraiment pas le but de notre exploration. Et là, on crache le véhicule. Alors, lorsqu'on crache le véhicule, on est en dehors du véhicule, on va rappuyer sur Tab, et il se remet droit. Heureusement, allez-vous me dire. Allez, allez. Trouve-moi d'autres choses que ce qu'il y a dans les plantes. Bon, on n'a rien, on va revenir parce que les réserves du véhicule diminuent. On va revenir par l'autre côté au cas où. On va devoir repartir en exploration, je pense, minière. Là, le soleil va faire son apparition, ça va nous permettre de recharger un petit peu. Cette plante-là, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose à sa base ou pas. Oui, il y a bien quelque chose à sa base. On va le prendre, même si voilà, il y a de fortes chances que ce soit encore une ressource. Alors, vous vous souvenez, j'avais pris de l'organique sur moi. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je me doutais que j'allais avoir des petits soucis d'énergie. Je pourrais lui mettre ma batterie aussi. On va reprendre celle-ci. Avec un peu de chance, une des deux va nous donner des ressources. Enfin, va nous donner autre chose que des ressources. Parce que si c'est pour nous donner des ressources, pas vraiment besoin de ressources là actuellement. On va lui redonner de l'organique avant de repartir.
et que le soleil se lève. Et là, je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu. Je pense que c'est par là, mais je n'ai aucune certitude. Le bloc d'énergie, j'en avais vu un tout à l'heure, mais est-ce celui-là ou pas? On va rouler, on verra bien. De la résine, oui, je suis passé juste à côté tout à l'heure de résine. Je pense que je me suis bien perdu, hein, les amis. Allez, on a les panneaux solaires, on va en profiter. On va rouler. En même temps, la planète est ronde. À un moment ou à un autre, on devrait retrouver notre chemin. La vidéo sera un peu plus longue tout d'un coup. Je pensais arrêter la vidéo à une dizaine de minutes, mais là je ne vais pas pouvoir parce que j'ai envie vraiment de voir avec vous si on va s'y retrouver. Bon, si je fais de la résine, si j'ai de la résine, qu'est-ce que je peux faire? Faire un réservoir d'oxygène, mais j'ai pas besoin des piles, j'ai pas besoin de filtre, j'ai pas besoin. Oui, non, donc la résine là, actuellement, j'en ai pas besoin pour retrouver mon chemin. Et ça secoue. Et je ne sais pas où nous sommes, les amis. Nous sommes perdus dans l'espace. Ah, nous sommes perdus sur la planète, non pas dans l'espace. Avec notre véhicule, nous ne risquons rien vu que nous avons la possibilité de le recharger en organique. Là, on est vraiment en train de faire le tour de la planète, je pense. Hein. Voilà le problème. On est dans l'espace, on n'a pas de boussole. Hein, on nous envoie sur une autre planète, franchement, et on n'a pas de boussole. Donc c'est débrouillez-vous, pour rester poli, pour retrouver votre chemin. Là-bas, on a les nuages, on s'est souvent repéré aux nuages. Hein. Ce qu'on va faire, on va récolter de l'organique parce que ça va commencer à devenir problématique au niveau de l'énergie. Le village là-bas, on va aller se repérer encore au nuage. Chercher l'énergie qui est là-bas. L'autre jour, on cherchait de la résine, on n'en trouvait pas. Ici, il n'y a que ça.
sais même pas si je pourrais le poser quelque part. Plus de place nulle part pour mon énergie. Je vais t'enlever pour l'instant. Le temps de consommer l'énergie qui est là. Toi, je te vire, tant pis pour ce qui reste. Et j'ai vraiment cette impression de tourner en rond. Je viens de dire, la planète est ronde, donc c'est logique. Mais là, de ne pas retrouver mon chemin, j'ai l'impression d'être passé 10 à 15 fois par le même trajet. On se fait un petit vol. Une nouvelle fois, on peut errer hein, pendant une heure, deux heures, sans aucun souci avec le véhicule qu'on a. Il est équipé en panneaux solaires et en organique. Donc voilà, on ne va pas risquer grand-chose. Sauf si on le perd. Comme ça, commence à être le cas. Voilà, même le vent ne va pas être problématique pour nous, pour la simple et unique raison que nous sommes à l'intérieur du véhicule et que les blocs ne peuvent pas nous atteindre. Par contre, on oublie la luminosité, hein, le fait de pouvoir se repérer facilement et d'éviter peut-être des trous. Obligé d'avancer à tâtons. Toujours aucun symbole dans le coin, toujours aucun symbole. Alors à moins d'avoir fait déjà le tour dans le mauvais sens, la planète est énorme. Hein. Plus d'énergie, le véhicule s'arrête, tout à fait logique. On va remettre notre générateur dessus. On va lui redonner de l'organique. Et on va une nouvelle fois, excusez-moi, on va une nouvelle fois tenter de retrouver notre base. J'irai bien vers ce gros nuage là à droite. Le décor ici me dit quelque chose, en même temps les décors se ressemblent. Mais voilà, l'énergie là. Des ressources encore dans les arbres, ça veut donc dire que je ne suis pas passé par là. Petit problème de décor. On se téléporte dans le véhicule. Donc, il y a moyen de se perdre dans ce jeu, comme vous le voyez, et à mon avis, ça va me prendre du temps pour récupérer ma base. Maintenant, je pourrais très bien mourir, et il n'y a pas de souci, je réapparais à ma base. Donc, si c'est ce que je pense, on aurait fait tout le tour sur le côté. On va voir s'il y a quelques trous autour.
peu d'espoir. Gardons l'espoir, ne le perdons pas. Même si les arbres ont toujours leurs ressources, ce qui signifie que je ne suis sûrement pas passé par ici. Au pire, là-bas, de l'énergie. Donc voilà, je vous confirme, nous sommes bel et bien perdus. Donc, je me laisse encore une petite minute pour essayer de retrouver quelque chose. Si je ne retrouve pas quelque chose dans la minute qui vient, j'arrêterai la vidéo là-dessus. J'essaierai de retrouver mon chemin. Et puis, ben, en fonction de votre demande ou pas, je refais les vidéos sur Astronir. Ou alors j'attends qu'il y ait encore des nouvelles mises à jour parce que le jeu continue à évoluer. Il manque là-bas, il y a quelques trous, ça veut dire que je serai pas trop loin de ma base. Non, il n'y a pas de trous. Donc je dois être loin de ma base. Bon, mes petits loulous, on va arrêter là-dessus. On est sur un beau fail, quelque part, même si voilà, on n'est pas encore mort. Ça ne saurait tarder. Je vais vous dire à la prochaine. Sur ce jeu, si vous le désirez, ou sur un autre jeu, c'est à vous de décider. Sur ce, mes petits loulous, bonne soirée et bisous bisous.